Et bonjour YouTube et bonsoir le stream. Nous nous retrouvons pour du Punch Club, le jeu de la hype. Alors, déjà, je tenais à m'excuser concernant la VOD précédente où effectivement il y avait un gros bug de micro, un très très gros problème technique concernant mon micro. Je ne sais pas si c'est résolu. Ma femme va être sur le stream pour me confirmer si oui ou non ça plante ou pas. Si ça ne plante pas, et bien tant mieux, et vous verrez cet épisode. Et si ça plante, et bien écoutez, tant pis. Si on fait des choses importantes, je garderai quand même la VOD pour vous la faire parvenir, évidemment. Mais si on n'a rien fait d'important, de ouf ou quoi, on va partir du principe que c'est pas grave. Ça sera du off, et dans tous les cas, normalement, dans 2 jours, normalement, j'ai un casque micro qui arrive, que je pourrais utiliser justement pour que vous m'entendiez sans problème normalement. Donc dans tous les cas, voilà, le problème se résoudra assez rapidement, ne vous inquiétez pas. Enfin bref, du coup, il faut que je sache où on en est. On a un combat dans 2 jours, on a le combat clandestin demain. Je peux peut-être éventuellement essayer de faire le combat clandestin. Alors on devait aller voir Don aussi, donc le mafieux. On devait aller le voir. Je suis plutôt pas mal là. Putain, j'ai de la thune et tout. Mon frigo, il en est où? Niveau du frigo, c'est pas ouf. Donc faudrait peut-être aller acheter de la bouffe. Mais en même temps, je peux aller m'entraîner. Je peux aller m'entraîner. Et concernant l'arbre de compétences, j'ai un petit peu réfléchi. Bah justement, le fait de regarder les précédentes VOD m'ont permis justement de réfléchir un peu à mon plan d'action pour la suite. Et du coup, je pensais... Alors oui, à l'entraînement efficace, c'est ultra OP. De consommer beaucoup moins d'énergie lors des entraînements. Par contre, est-ce qu'il y a l'équivalent pour la bouffe ? Ce qui m'intéresse en fait, c'est de beaucoup moins consommer au niveau de la bouffe, parce que c'est ça qui part le plus rapidement. Et je ne sais pas où est-ce qu'il y a ça. Dans la voie du tigre, je pense pas. Parce que le gros souci, c'est la bouffe hein, finalement. Et donc oui, au niveau des compétences, je pense qu'en fait, je vais me focus sur débloquer le prochain slot de focus. Pour ensuite débloquer l'optimisation d'entraînement d'agilité. Et ensuite, du coup, je pourrais plus facilement atteindre le niveau 13 d'agilité et donc me le bloquer. Voilà, comme ça, là, on sera vraiment bien. Par contre, je ne vois pas de quoi optimiser la consommation de la bouffe pendant mes entraînements. Cogneur de barbac. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, et ben j'ai l'impression qu'on n'a pas. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas. On n'a pas le bonus. J'ai l'impression qu'on n'a pas le bonus. Mais par contre, si je veux débloquer des slots supplémentaires, je peux éventuellement, par exemple, dans la voie de la tortue. Ça, ce serait bien de l'avoir quand même. Parce que même si effectivement c'est pas OP, que je serais quand même limité par la bouffe dans mes temps d'entraînement, bah, au moins j'aurais moins à me reposer et donc je gagnerais beaucoup plus de temps. Ça sera beaucoup plus optimisé. Donc c'est vrai que je peux le débloquer très rapidement celui-là. Et je peux gagner plus d'endurance. Mais le problème, c'est que mon endurance, elle est lock dans tous les cas au niveau 9 maximum. Mais je peux avoir le slot supplémentaire. Bon, par contre, je suis obligé de faire. Ah oui, je suis obligé de faire tout ça pour avoir le slot supplémentaire de l'endurance. Et ça, c'est pas ouf. Énergie infinie. Donc, ça fait quoi? C'est Vioman qui l'a. S'il vous reste moins de 25% d'énergie, le coût en énergie de toutes vos compétences est réduit de 70%. C'est juste insane. C'est juste insane.
Non, mais du coup, ouais, y a pas le. Y a pas le bonus pour réduire la consommation de bouffe. Ce qui est legit, hein, en soi. Ce qui est très legit en soi. Mais en vrai, je peux focus la prochaine upgrade pour consommer beaucoup moins d'énergie. En vrai, ce serait un gain de temps de malade. Parce que si j'ai moins à dormir, bah forcément que ça va payer, quoi. Bref, je pense que je vais aller m'entraîner en vue du combat clandestin de demain. Y a rien avec la mallette. Hein. Ah si, y a le pont. Il se passe des choses sur le pont. Ah, j'ai pas le choix. Merde. Je suis le point de la nuit. Ah oh, putain, merde, c'était pas prévu ça. Ce n'était pas prévu. Il a masse d'agilité. On a les mêmes traits par contre. Il va peut-être me dérouiller. Hein. Allez. Oh là là, il me combote. Je sais pas pourquoi je les focus avec ma stamina, c'est débile. Ah mais il a le coup de pied qui me draine la vie. Aïe aïe aïe, il a le coup de pied qui me draine la vie. Alors en vrai j'ai l'avantage mais il a plus de stamina. Je sais pas si je peux l'avoir à la stamina. Je vais essayer de lui bourrer la tête, ça va peut-être être une grave erreur mais c'est pas grave. Oh. Eh ouais, il me draine la vie ce salaud. Ah ouais, le coup de pied du cobra il est juste insane. Oh là là, mais ouais, mais son coup de pied du cobra qui me défonce la tête. Ah bah c'est mort. C'est mort, il a trop d'agilité. Mais c'était pas prévu putain. Et si seulement j'avais l'endurance à fond. Je pensais pas qu'on pouvait pas quitter Ah bah c'est mort. J'ai perdu. J'ai perdu. Ah, lose. Merde. Merde. Bon, je vais m'entraîner. Donc du coup... Ouais. Est-ce que tu veux faire le combat? Non, il ne veut pas. Donc, on va aller lui dire d'aller... à la salle. On va aller acheter un peu à bouffer parce que j'ai de la thune. Et d'ailleurs, vu que j'ai de la thune, hop. Allez, hop, comme ça, on a full viande au frigo. Des boissons énergétiques, ça peut carry au dernier moment. Voilà, je garde 100 balles, c'est bien. Ah, je me tâte à... Ouais, non. Non. On va essayer de la jouer économique. Alors du coup il me faut de l'endu mais aussi de l'agilité. En fait là j'ai un choix à faire radicalement. Soit je bourre l'agilité. Soit j'essaie de garder une constante équilibrée en vue de dépenser moins d'énergie lors de mes entraînements. Et tant pis le bonus d'agilité je le prends plus tard. Merde. Après ça peut aller très très vite.
Ouais, ma santé est un véritable problème. Si au dernier moment j'arrive à rentrer à la maison pour bouffer, ça peut être bien. Ouais, parce que j'ai perdu. Ouais, c'était vraiment une connerie ce combat là. Bah, là, le combat clandestin, en plus j'ai deux combats d'affilée, il faut que je sois full life. Il faut que je sois full life et ce sera pas possible. Après, ma vie remonte un peu. Si j'arrive à bouffer deux morceaux de barbac à la maison, c'est gérable. C'est gérable. Ah, mais je serai pas full life. Je ne serai pas full life. Et les 12 d'Agi, ça me semble très compromis. Ok, il a faim. Allez, hop. On dépense de la thune. Est-ce que tu te mets full life si je te donne à bouffer deux tranches de steak? Ah! Ah! Alors comme ça, ça peut se négocier du coup. Ah oui, non, mais il récupère pas de la... Merde. Merde, j'ai fait une erreur. Je suis désolé. Ah ben là, du coup, le combat clandestin, il est gérable. Hein. Un petit coup d'homme de bois pour gratter un petit peu. Hop. Ah oui, et là du coup, ok, je suis bloqué définitivement à 9, je peux pas gratter un peu plus. Ok, donc en fait, l'endurance, dans tous les cas, je pourrais pas... L'endurance, je pourrais pas la monter au-delà de... Moi, je pensais que l'endurance, je pouvais la gratter jusqu'à presque le niveau 10, en fait. Donc là, non, c'est bloqué à 9 et on peut pas aller au-dessus. Merde. C'est embêtant. Bon, allez, je le tente. Je le tente parce qu'en vrai, je suis quand même relativement opti. 2, 10 et 4, en vrai, au niveau de l'endu, c'est gérable. C'est gérable. C'est gérable. Ouais, c'est grave gérable. Voilà, nickel. C'est bien ça. En plus, ça me rapporte ma stun quand même. Hein. Donc, c'est vraiment pas des combats à négliger, mais il faut que je sois sûr de faire le taf. Quoi. Oh, oui, mais d'accord, mais c'est un sbire. J'aurais même pu lui bourrer la tronche, hein, mais bon. Et moi, j'ai pas Roy en binôme. Ça aurait été cool d'avoir. De dire à Roy, vas-y, fais le premier combat, entame-le, et puis après, on verra, quoi. Oh, mais c'est OP, c'est OP, c'est OP. Bon, a priori, ma femme ne m'a rien dit pour l'instant, donc le micro, tout va bien. Oh là là, quel guerrier quoi. Incroyable, Maître Hitman. 150 balles. Oh, je suis refait. Je suis refait. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut aller au camp de... On peut pas aller au camp de Manouche. On peut pas aller au camp de Manouche. Peut-être qu'avec la mallette, je peux y aller. Cela dit. Eh ben, on va dire à Roy d'aller à la salle. Oh, je claque ma thune, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Eh ben, Roy va à la salle. Ah, le combat amical, tu veux le faire ou pas? Allez, yes. Bon, c'est une petite routine, mais en vrai, on avance. Bon, rien pour l'instant. Ok, pas de problème pour l'instant.
et on va lui bourrer la tête. Oh putain, Roy! Roy! Oh là là! Oh là là! Vas-y, enchaîne! Oh bah, ils se regardent! Mais quelle bande de trous du cul! Alors, ça t'impressionne, Adrien? oui, alors Roy. Roy. Oui. Ah, il faut que j'aille au bar et tout aussi. J'ai tellement de choses à faire. Quand j'aurai l'agilité à 13, promis. Promis. Est-ce que je passe à la maison pour bouffer un tout petit truc? Genre un soda. Allez. Voilà, comme ça on est full. L'énergie, c'est pas un problème. Allez. Maintenant qu'on sait... En fait, j'ai très mal commencé au début parce que je partais du principe que l'énergie était un problème pour les combats que je faisais en suivant. Mais pas du tout. Je peux me permettre d'être très long en barre de faim et en barre d'énergie et ça va pas jouer sur le combat. C'est juste la barre de santé qui joue. La barre de cœur. Enfin, je crois. Hein. Peut-être que je dis des conneries. Ok, on est bon. Ok. Un peu de pneu. Ok, faire attention au temps. Voilà, c'est un peu débile ce que je fais, mais bon, enfin, j'ai pas d'autre solution pour continuer à grimper l'agilité. De manière optimisée. En vrai, il en a rien à foutre. Mais la corde à sauter, oui, il en a vraiment juste rien à foutre. Ah non, merde! Merde! Je regardais le commentaire, j'ai pas vu le temps. Bon, c'est pas grave. Ouais non, Roy, la corde à sauter, il en a juste rien à péter. Hein. C'est impressionnant. Le reste, il est là, ouais, vas-y, trop bien, la corde à sauter, il est là, mais qu'est-ce que tu fais? C'est un truc de Tarlous. Hein? Ah oui, pardon. Gordon. Mais Gordon, il est gratos. Attends, ça se trouve, le précédent combat, je l'avais perdu. Peut-être. Je ne sais plus. Mais Gordon qui doit me haïr. Ok. On a la strat. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas de problème, je vais peut-être faire une méga big VOD parce que déjà de 1 au niveau de mon planning, je suis un petit peu dans ce qu'on dirait une merde noire, étant donné que j'ai beaucoup trop d'avance et que pour les jeux à venir, du coup, ça va me mettre un décalage de ouf, à moins que je mette une 4ème VOD, que je programme une 4ème VOD par jour, ce qui va être du coup très illisible pour vous qui suivez les VOD. Et voilà, si je vous fais des épisodes d'une heure, on s'en sort pas. Je suis très productif ces temps-ci, donc compliqué. Et ben, je m'inscris. Voilà, et donc là, on a le combat clandestin demain. Il faut que je dorme. En vrai, je peux dormir, bouffer. J'ai redit à Roy d'aller à la salle. Putain, mais les 12 d'agilité, ça va être compliqué, hein. Faire ça vite
fait ça. Vite fait ça. Par contre, derrière, faut dormir. Le temps passe très vite. Donc ouais, du coup, vraiment, la consommation d'énergie, ça peut être très OP. Hein. Ça pourrait me... Bah, me faire... de fait, me faire gagner 15% de mon temps. Ce qui est vraiment pas négligeable. Donc là, l'idée, ce serait de le remettre à full. Ou alors, tant pis, je me bourre à la... À la boisson énergétique. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais. Ouais. Et là, on est bon. Et là, on est bon. Là, on est full. Par contre, Roy ne voudra pas faire le combat. Mais, si j'arrive à exploit, je peux lui dire, genre, d'aller à la salle... En vrai, c'est cool qu'on soit pas limité par pour les entraînements de au gymnase avec Roy. Parce qu'on aurait un nerf comme avec les combats amicaux, ce serait vraiment un gros souci. Allez, on paye, on gratte du temps. Là, c'est cool, j'ai plus trop à bosser. Vu que je win les combats. Et donc, on va faire ça. Et au dernier moment avant le combat clandestin, je peux peut-être retourner chez Roy. Pour lui dire de faire le combat amical et gratter deux points de compétence. C'est vraiment de l'optimisation pure et dure. Ok. Allez, l'endu. Voilà, et les 13 d'agilité, hein. on les tient. Hein. C'est ça le pire. Hein. Alors là, je les atteindrai pas. Mais prochaine session d'entraînement, il y a moyen de les atteindre. Et après, il faudra les stabiliser ou continuer de up. Continuer de up jusqu'à atteindre le... Bon, on sera un guerrier, on aura plus de 13, on sera au moins au 14 d'agilité. Au moment où je pourrais débloquer et lock les 13 d'agi quoi. Et pour le coup ce sera full OP. Ouais, j'aime bien parce que j'adore. Il regarde dans le vide. En mode mais putain mais la corde à sauter mec. Même les deux musculeux à côté ils me regardent en mode ouais ok. La corde à sauter quoi. Voilà et là j'ai gratté. Là, je suis presque au 13 d'agi, hein, c'est dommage. Hop, on va le voir. Là, le combat amical, normalement, c'est bon. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Et on va le bourrer. Hein. Après, c'est vrai que même le... On a l'alternative du coup de pied haut qu'on pourrait transformer, mais il faudrait dépenser masse... masse point de compétence avant d'atteindre l'upgrade. Mais là, attends, je vais faire le combat clandestin ou je vais faire le combat de ligue? Je vais faire le combat clandestin. Est-ce que c'est vraiment safe que je le fasse? Est-ce que c'est vraiment safe? Moi je dis que oui. Bah oui. Évidemment. Ça peut se jouer sur l'endu. Ou alors je le bourre au début et après endu. Vas-y, je le bourre au début et après endu, on va tester. Oh! Thank you.
Bon, ça se passe bien. Je consomme beaucoup, mais ça se passe très bien. Ouh là là, petite arnaque quand même. Hein. Ok, là on joue sur l'enduit. Bon, allez, un dernier petit coup de pied là. On en finisse. Merci. Et... ouh, lui va mort consommer. Je reste comme ça. Ouais, parce que du coup, quand tu joues masse puissance, t'as pas forcément besoin d'agilité. Putain, mais ils sont gratos quand même dans la zone jaune. Limite, ces combats-là sont plus simples que les premiers combats clandestins de base, enfin basique quoi. On va continuer à jouer stamina. Et du coup, on a le. Putain, m'amoche pas trop quand même parce que j'ai le combat de ligue dans pas longtemps. Ah, par contre, ouais. Faut que je parte quand même du principe qu'à un moment donné, scénaristiquement, je vais me faire guaquer et il y a des choses qui vont s'enchaîner. 7 points de compétence, 150 balles. Putain, c'est tellement OP. C'est tellement OP. Alors du coup, je me tâte. Ah oui, il y avait ça aussi à débloquer. Mais ça, en vrai, pour l'instant, je fais le taf, hein, même sans ça. Ah ouais, ça aussi, putain. Et on a réflexe à débloquer aussi. Hein. Remplace esquive, contre-attaque, inflige de gros dégâts à l'adversaire. Et ouais, c'est une contre-attaque, et donc du coup, je n'aurais même plus à mettre la réplique. Enfin, je peux mettre la réplique. Du coup, ça fera un bundle de coups gratos, quoi. Ah ouais, parce qu'on a accès sur l'agilité. Non, vous savez quoi, je pense que je vais vraiment optimiser pour ça. Voilà. Comme ça, je dépense moins d'énergie. Et ça, en fait, ça nous sert absolument à rien. Ça nous sert absolument à rien. On a l'enduit qui est déjà loqué à 8. Donc, mon entraînement suffit. Mon entraînement suffit. Et à la rigueur, un peu plus tard, je pourrais débloquer un slot supplémentaire. Mais après, je serais bloqué, je pourrais pas débloquer ça. Donc là, le prochain focus, ça serait le slot supplémentaire. Ou les 13 d'agilité. Peut-être les 13 d'agilité. Moi, je dis oui. Et j'ai de la thune. J'ai de la thune, on a le combat de ligue qui va suivre. Là, je peux juste me permettre de bouffer. Là, je peux me permettre de bouffer. On est OP. Je bouffe. Je vais dire à Roy de retourner à la salle. Et là, les 13 d'agilité, on les atteint. Le combat, il va pas vouloir me le faire. Hein. Allez. On est bon. Là, c'est OP, putain. Quand je repense à, genre, il y a 5-6 épisodes, dans quelle merde on était, qu'on a dû faire 2 heures de farm intensif sur le moteur et tout. Bon, peut-être un petit peu trop, d'ailleurs. Hein. Ah là là. Ça me fait rêver, tout ça. On peut se le permettre. On peut se le permettre.
Et j'ai même envie de vous dire, on se met full en tout. Ou presque. Mais ça suffit largement. Putain, je suis presque tâté de dépenser 20 balles pour gratter 3 points. Non. C'est parti. Ah oui, d'accord. Ah, mais parce que... Ok. Ok. Je vois. Il est saoulé. Parce qu'en fait, j'ai pas dormi. Donc du coup, il considère qu'il n'y a pas eu de roulement de journée. Eh oui, parce que finalement, on en ressort de la salle. Aïe, aïe, aïe. Oh, faut que le temps passe. Faut que le temps passe. Je pourrai en refaire après. Ah oui, effectivement, je consomme un peu moins d'énergie. Ouais, ça se voit. Ça se voit. Et le pneu, il accepte ou pas? Il accepte. Ok. Ok, ok. Il faudrait limite faire une escale à la maison pour continuer à monter. Attends, tu veux faire ça? Oui. En vrai, je ne sais pas si la corde à sauter fonctionne avec le boost d'oreille. Ça me... Et je parle et j'ai zappé. Bon. Mais Gordon. Pourquoi ils me mettent Gordon? Je fais que gagner la ligue. Je veux affronter Vioman. Oh mais je suis... Je pense qu'on va encore faire 2-3 combats de ligue avant de se permettre de débloquer le 13 d'agilité. Et après on pourra faire un peu de scénario. Mais bon, dans tous les cas, le scénario, le temps ne passe pas pendant... Aïe. Ah, j'avais zappé ça. Le temps ne passe pas pendant que je fais du scénario. Hein, donc... Je dis ça, c'est juste dans l'éventualité où il se passe quelque chose de terrible. Et là, peut-être que j'ai le combat avec Roy. Hop, stop. Voilà, pile poil. On bouffe. Très bien. Très bien, très bien. Un petit peu d'homme de bois. Normalement, le prochain combat de ligue, si je le gère bien, je peux faire l'upgrade de l'agilité. Ou alors, on focus autre chose et on se dit, on tient cette constante-là. On tient cette constante-là, quitte à continuer à monter les stats. Et on se permet de faire encore plein de combats avant de lock l'agilité. Et prochain épisode, éventuellement, vraiment, on s'enfonce dans le scénario et les combats un peu compliqués. Alors du coup, bon, je vais essayer de le bourrer à la stamina parce que je suis pas si loin de le déglinguer. Ouais, j'arrive à le battre en un round, mais ce serait très compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué. Hein.
Ouais. Pas si loin. Bon, ben va à la salle, mec. Et les armes sur le toit. Je peux peut-être le défoncer. Ok. Est-ce que j'ai vraiment besoin de bouffer? Allez, vraiment histoire de dire. Ah, j'aurais dû prendre un truc d'énergie. Voilà. Et là, normalement, ça fait le café. Allez, Roy. On est motivé. Bon, la journée va passer, donc je vais bourrer l'enduit au dernier moment. Alors, il faut savoir que du coup, la stat d'endurance, si elle est par exemple au début du niveau 8 ou si elle est à la fin du niveau 8, ça va quand même se ressentir hein, dans mes stats, dans ma barre de PV. Donc je me demande si pour les autres stats c'est la même. Il y a des fesses qui bougent ici, ouais j'avoue. J'avoue. Bah d'ailleurs. Ça va toi? Ok. Non remarque je suis con. Arrête tout. Ah, le combat clandestin. Mais le combat clandestin, je sens qu'à un moment donné, je vais me faire arnaquer. D'un coup, à mon avis, la difficulté va monter en flèche. Un peu de pneu. Hop. Et vraiment 2 secondes parce que de toute façon mon perso a la dalle. C'est vraiment histoire de gratter. Allez, hey, je le tente. Ok, il a la réplique de base comme moi. Mais en vrai, c'est des sbires. Hein. Tant qu'il ne met pas midlife pour le combat d'après, j'ai l'impression que le deuxième combat est toujours plus simple. Oh oui, non, c'est gratos. Boum. Oh là là. Même ma femme est hypée par ce jeu. Allez, on reste stamina, c'est bon. D'ailleurs, ça aurait... j'ai pas bien regardé, mais ça se trouve, il y a un coup qui remplace le breaker, petite béquille, hein, qui nerf la stamina. Ça serait bien de voir si on peut le débloquer pour encore plus mettre en mal les adversaires. Voilà, ce que je lui mets. Attends, on va encore avoir pleine thune. Là pour le coup c'est maintenant là, faut que les loupards ils m'agressent maintenant. Je vais leur défoncer la tête. T'as j'ai 318 balles. C'est énorme. Ah, et là, personne m'agresse, hein, comme par hasard. Je sais pas si j'avais des trucs intéressants. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça. Pour augmenter la durée de mon malus.
Eh ben il est là. Il est là, mais il est dans la voie de l'ours. Donc ça veut dire qu'il faut que je débloque la voie de l'ours pour ensuite débloquer ça. Je peux peut-être le faire. Ah. Ah. Donc faut débloquer l'uppercut croisé, motiver voie de l'ours pour ensuite débloquer le brise-genou. Et je consommerai rien du tout à l'utiliser. Parce que là ils disent ouais consomme un peu plus d'énergie, mais en vrai moi en énergie ça me coûte rien. Et j'ai même l'impression qu'il est plus précis. Ouais bah va falloir le débloquer. Bon alors du coup je me tâte. Ah c'est le coup-pied circulaire qu'il faut que je débloque. Mais il me faut la pluie de coups. Frappe pénétrante. C'est activé ou quoi, il ignore jusqu'à 40% de la protection basée sur endurance de l'adversaire. Les réflexes, c'est plus, pour moi, le réflexe est plus intéressant. Alors, ce que je comprends pas, c'est que ça remplace l'esquive et ça remplace l'esquive. Mais du coup, je vais avoir les deux. Donc, ce sera soit celui-là, soit celui-là. Qui me fera pas beaucoup plus consommer. Hein. Celui-là me fait consommer 2. Et celui-là me fait consommer 3. Mais celui-là, je fais des dégâts, pour le coup. Ah non, je suis obligé de débloquer le frappe pénétrante. Ah mais celui-là, je le veux. Il consomme pas beaucoup en plus. Et il est masse précis. Ah non, remarque, maintenant celui-là est masse précis aussi. Ouais, donc le saut supplémentaire. Ah, j'ai tellement de choses ultra OP à débloquer, mais il va falloir tryhard comme un malade. Ok. J'ai compris. Annulé. J'ai de l'énergie. Ok, on va aller s'entraîner. On va aller s'entraîner. Et ce que je vais faire, c'est que je vais même faire un petit peu d'homme de bois à la maison. Vu que je dois aller bouffer. Faut que j'achète de la bouffe. Ah ouais, non mais en fait, ouais. On va jamais dormir. Si je me prends une branlée, je vais être obligé de dormir. Oh, petit écureuil à côté. Allez, un petit peu d'homme de bois. Peu de soucis pour le micro. D'accord. Eh bien, bonne nuit. Merci. C'est le support technique. Très bien, très bien. Allez, c'est bien ça. Du coup, on va aller acheter à bouffer. Mais là, personne ne m'agresse. C'est un scandale. Mais je suis tellement bien en thune. Merci.
Eh ben, je vais claquer 20 balles pour les points de compétence avec Michel. Et là, je vais le dérouiller. Et là, je peux mettre ce coup de pied là. Putain, c'est incroyable. On commence à être trop bien. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, presque en un round. Oh la blague, j'aurais pu le battre en un round. Impeccable. Impeccable. Bon. Allez, hop, on perd un petit peu en stats. Mais normalement, les 14 d'agilité, ça va être atteignable. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh là là, le guerrier ultime, ça y est. Et le pire, c'est que là, du coup, on va pouvoir atteindre quasi notre méta ultime. Hein. Ouais, il y aura peut-être la force qu'il faudra monter à 5 éventuellement. Mais pas plus, quoi. Alors, on va attendre que Roy se casse. Et ça y est, les 14 d'agilité, incroyable. Allez, on exploite jusqu'au bout. Et on est bon. Hop. Hop. Allez, le combat. Non mais je suis tellement bien maintenant là avec mes 5 slots là. Et je pourrais encore avoir un slot supplémentaire. Donc ça ferait 6. Oh là là, mais je le dérouille. Les Armand, je vais aller lui casser la gueule, hein, je vous le dis. Hein. Je vais même aller le faire avant le combat clandestin. Je crois qu'on va faire ça. Je me remets full comme il faut. Un petit peu d'énergie. Je vais aller lui casser la gueule à Lézardman. Oh, j'ai plus. J'ai pas le choix. Je suis le point de la nuit. Ah non, bagarre, maintenant. Bon, c'est le même. 15 d'agilité. Mais après, au niveau des autres stats, je le défonce. Je peux pas me stopper, mec. Ah mais oui, mais lui, il a le coup de pied du cobra de ses morts. Ah, donc j'aurais peut-être pas dû bouffer comme un sac, comme ça. Parce que s'il me met la branlée, je vais devoir... Enfin, je vais avoir de la vie en moins. Oh là là, mais la stamina. ...113 de précision. Ok, je vais enlever le coup de pied haut. Je vais mettre ça.
Aïe aïe aïe. Ça va être serré. Bah c'est même mort d'ailleurs, je dirais. Bon après j'ai le breaker. Ah ouais, le coup du cobra de c'est mort, mais ouais. Ah je le touche pas assez, il a beaucoup trop d'agilité. Il va encore me battre. Ouais, bah le combat clandestin, on va l'oublier. Tant pis. Il est trop balèze. Il est juste trop balèze, c'est abusé. Oh, j'aurais dû tout donner. J'aurais dû remettre mon coup de pied de ouf. Mais il me le faut ce coup de pied du cobra. Hein. Ah putain, peut-être. Non. 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 Oh là là. Ah, je suis mort. Ah ouais, non mais... Quelle blague. Eh ouais, du coup j'ai pas de vie et ma vie est nulle. Bon, mais on va l'oublier le combat clandestin. Tant pis. J'ai de la marge, c'est pas grave. C'est pas grave. Je préfère le faire safe. Ah, par contre j'aurais pu faire ça. Ouais. Ah, je suis deg. Je suis deg. Ah mais non, mais c'était pour le combat de ligue. Ok. Ah, c'est un putain de gâchis. Eh oui, mais les pizzas, c'est beaucoup plus OP. Tant pis. C'est du gâchis, mais tant pis. Eh ben, le combat de ligue. Vieux man. On peut le faire. Ah non, mais ce coup de pied du cobra de c'est mort. En vrai, il faut que je le débloque. Limite, le coup de pied circulaire, je peux l'oublier. Et focus le coup de pied du cobra. Ah, c'est serré, mais il me nique sur la stamina encore une fois. Hein. Ouais, c'est serré, mais c'est faisable. C'est serré, mais c'est faisable. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça va être ultra serré. Faut que je gagne. Faut que je gagne. Les sous, les points. Allez, vas-y. Yes. J'ai battu vieux man. 16 points, 60 balles. Voilà, devenu le champion, c'est génial. Ah mais je suis premier, c'est bon, je suis premier de la ligue. Incroyable. Oh là là.
Mais du coup, il va se passer un truc avec Mickey quand je vais rentrer chez moi. Et chez moi, il va m'appeler, il va me dire, ouais, viens. Oh, je suis premier. Il est temps d'aller voir Mick. Bah oui, forcément. Ah, félicitations, champion. J'attendais ça depuis un bon bout de temps. Malheureusement, je ne peux pas t'offrir ta récompense tant méritée. Quoi? Ça va aller, Mick. Je vais gagner une carte de combattant professionnel aux éliminatoires. Le médaillon sera à moi. Quart de finale, prochain combat dans 2 jours. Ok, bon bah faut tenir la constante quoi. Et salut à Gunwind. Ok, faut tenir la constante. Bon, je peux faire passer le temps, c'est pas bien grave. Donc on retient les pizzas, c'est ultra OP pour récupérer de la vie. Ok. Ah mais j'ai dit à l'autre Boubours de me rejoindre à la salle. Bon, on va à la salle. On va à la salle, tout simplement. Et on fera son combat à la fin de la journée. Tout simplement. Ah mais du coup voilà le championnat et tout. Bon, on va le faire dans cet épisode. Et du coup, si je suis bien... Ah oui, mais le combat, du coup, le combat de merde, là, c'est... Enfin, le double combat, c'est aujourd'hui. Donc si je me gave à la pizza, je peux récupérer de la santé et aller le faire. Les arnaques. Les arnaques. C'est vrai que débloquer éventuellement la capacité de passer les attaques pour récupérer de la santé, enfin de la stamina, ce serait bien. Ce serait bien aussi. J'ai pas grand chose à faire là. Et tant pis, on va claquer nos derniers sous pour se déplacer. Non, c'est pas ça, au secours. Ouais. Gratter les points. Oh non, il veut pas, le salaud. Et là, on se bourre à la pizza. Eh oui. Hop, et on est full. On se remet un peu d'énergie. Faut que je gagne. Il faut impérativement que je gagne. Parce que là, le pire, c'est qu'imaginez, je chie. Je vais me retrouver dans la merde pour les quarts de finale de championnat. Et là, c'est le décès. C'est demain. C'est demain. Eh ben va à la salle mec. Attends, le combat amical peut-être. Là pour le coup peut-être que je peux gratter. Oh putain, il veut pas. Salaud. Allez. Bon ben je claque mes 10 derniers barles. Donc j'aurais pas dû me gaver à la pizza parce que le temps aurait passé et du coup j'aurais pu Ah mais les deux c'est aujourd'hui. Les deux c'est aujourd'hui. Alors éventuellement ce que je peux faire, c'est faire d'abord. Non, enfin peu importe, ça change rien que je fasse l'un ou l'autre. Ouais non mais remarque non, je vais faire la quart de finale maintenant. Enfin en premier. Et après je vais faire le combat ultime. Enfin le combat clandestin. Oui, je vais faire ça. C'est moins risqué.
Aïe 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 aïe, c'est de l'organisation. Bon, juste remets-toi tes 9 en endurance de grâce. Mais je ne pourrais pas gratter les 2 points avec Roy. J'aurais pas le temps. Non, parce que de toute façon, il va rester à la salle et c'est dead. C'est dead. Yes. Bon. Eh bien, le combat. Draxon qui a 14 d'agilité. Mais en vrai, je suis à 4, 14, 9. Il est à 2, 14, 5. Techniquement, je le bats. Et il a que... Quoi ? Il a que 3 compétences ? Et un seul point de trait ? Mais c'est quoi cette arnaque ? Par contre, il doit avoir masse précision. Donc toutes ses attaques, il doit me les mettre dans les dents bien vénère. Ah mais merde, j'ai laissé mon coup de poing à la gorge. Bon, c'est pas plus mal. Voilà, ma consommation. Ma consommation. Bon, on va laisser comme ça. C'est une expérience. Expérience qui se passe mal pour l'instant. Et oui, donc lui, forcément, il a pas beaucoup de force, donc il consomme beaucoup moins. Il va falloir que j'aille à la maison bouffer des pizzas. Ouais, non, mais c'est marrant. Ouais, ok. Oh là là, oh là oui. Bon, mais ça va, ça m'arrange. Et bon, on va tout donner. Bam. Ah, vous m'avez un peu baisé là dans l'histoire. D'accord, donc pas d'argent. Ouh, c'est pile poil. Ah oui, vous m'avez grave baisé dans l'histoire. On va le tenter comme ça, j'ai besoin d'argent. Ça passe. Ça passe, ça passe. Mais je les ai déjà affrontés, eux. Alors, je ne sais pas si je laisse ça. Parce que, attends, non, c'est pas celui-là. Celui-là me consomme combien? 6. 8, 11 de dégâts. Ah oui, mais la précision par contre elle est à 113 quoi. Comment c'est possible d'ailleurs, je me le demande. C'est techniquement impossible. Je vais laisser comme ça. Le coup de poing haut, je suis pas ultra ultra fan. Bon, normalement ça le fait, hein, les deux, je me les fais. Hein.
Il me faut de la thune. Oh. Ouf. Ouais, et l'esquive, l'esquive qui contre-attaque aussi me la faut. Mais est-ce que, ouais, est-ce que ça s'additionne, quoi? Parce qu'admettons, si mon esquive qui fait des dégâts et la réplique s'active en même temps, est-ce que ça s'additionne ou est-ce qu'il y en a un des deux qui annule l'autre? Très agile. Bon, on va laisser comme ça. Hein. Normalement, ça va me rapporter 150 balles, ces conneries. Faut que je remplisse le frigo. Nickel. 150 balles, ouais. Et du point de compétence. Du coup, j'avais dit que je faisais quoi? Plus d'agilité encore. Parce qu'en vrai, tel qu'on est parti... Ah ouais, mais si je fais équilibriste, je pourrais investir dans ça pour après avoir la frappe du cobra. Et la frappe du cobra pour l'instant. Ah ouais, mais pas beaucoup de précision et ça consomme énormément. Et il est pas si opti que ça. C'est pas si opti que ça, en fait. Purée contrôlée. Mais je pourrais loquer et derrière je débloque ça. Une chance de monter de 10% de notre agilité. Et ça peut être complètement pété. En fait, voilà, tout cela faut les débloquer dans tous les cas. Mais on a aussi le réflexe à débloquer. Et à la rigueur, débloquer le coup de pied circulaire plutôt que le coup de pied du cobra. Parce que le coup de pied du cobra, j'ai pas l'impression que ça soit si OP que ça. Parce que je l'ai subi, donc je vois les dégâts que j'ai pris. C'est pas insane, quoi. C'est chiant quand toi, tu te le prends en face. Mais à faire, à utiliser, c'est pas dingue. Alors que le coup de pied circulaire... Il réduit 30% les chances de bloquer l'adversaire. Donc c'est quand même pas négligeable. Ça peut bourrer sur un combo, quoi. Parce que ouais, dans tous les cas, il me faut réflexe. Sinon, on avait quoi à débloquer? Ouais, plus d'endume, on s'en fout. Ça peut être pas mal, hein. Ouais, on aurait... ouais. Frappe à l'ange, remplace coup de pied, ce coup de touche, le coût en énergie de toutes les combattants adversaires est augmenté de 30%. Ouais. Ouais, ça, je pourrais pas l'avoir. Ou alors... Ouais, on cherche à avoir le... La voix de l'ours pour avoir le kick bas qui nerfe encore plus. Balèze. Moi je dis pour l'instant ce qu'il me faut c'est de la puissance de frappe. Et après j'aurai le choix. Mais si je veux aller vite c'est ça, ça et ça. Donc ça. Et ensuite je reviens derrière pour débloquer ça. Ensuite faut que je débloque ça aussi. Ça c'est ouf. Ah oui donc ouais. Oh, y a trop de choses à débloquer qui sont trop OP. Hein.
Ah mais merde, j'ai dépensé mes points alors qu'à la base j'étais parti pour plus d'agilité ou loqué. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va vite se refaire. Donc j'ai des sous. Eh bien, faisons passer le temps. Bon. Voilà. Voilà. Alors, je suis pas riche, hein. Je ne suis pas riche. Roy, le combat. Easy birdie. Bon, alors normalement les problèmes de micro sont réglés, hein, je tiens à le préciser pour ceux qui viennent d'arriver. J'espère que c'est définitivement réglé. Si c'est pas définitivement réglé, dans tous les cas, samedi j'ai un nouveau casque avec micro. Je pourrais brancher au PC. Tout ira bien et j'aurai plus un gros un big micro qui va me cacher la moitié de ma tronche. C'est normal. Ok, on a gratté les deux points. Et ben on va aller s'entraîner. Mec. J'ai pas vraiment besoin de faire le plein d'énergie. Allez, on y va à pied. Et ben, on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Ah, vous m'entendez pas beaucoup, c'est normal, vous inquiétez pas. Je fais plein de choses en même temps. Alors pendant l'entraînement, je vais éviter par contre. Histoire d'optimiser mon temps. Allez, monte la JA 15. Oui, mais de toute façon, pour le lendemain, la JA 15, ça va être compliqué. À moins de gratter au dernier moment avec l'homme de bois et le tapis de course à la maison. Ouais, ça peut se négocier comme ça. Ok. Un peu de peu. Ah mais c'est chiant que l'endurance elle soit vraiment loquée, plafonnée dès le début du niveau 9. Je trouve ça dommage. Ok, le jour passe. C'est bon. On gratte un peu ici. Le combat c'est aujourd'hui ou c'est demain? Enfin les combats d'ailleurs. Ok. Bah, le problème c'est que j'ai plus grand chose à faire quoi. Ok, donc juste le fait d'alterner, si je fais suffisamment d'exercices entre temps, il accepte. Faut alterner les exercices quoi pour se SOP. Bon, très bien. C'est quand? C'est demain, mais c'est demain. Eh bien, nous allons bouffer, nous allons dormir. Nous allons dormir. Je sais, c'est inédit dans cet épisode. C'est la première. Non, je crois que c'est la deuxième fois qu'on dort dans cet épisode. Allez, c'est bon. J'assume. J'assume totalement. Ouais. Et paf. Et là, limite, ultimement, faudrait gratter.
Le combat, il va pas me le proposer. Ok, si, nickel. Nickel, nickel. Ah non, mais je peux pas avoir un... Je ne peux pas avoir de slot supplémentaire. Je suis limité à 5. Donc ouais, non, c'est con. J'ai pas besoin de focus la voix de la tortue pour avoir un slot supplémentaire. D'accord. Je consomme quand même, hein. Ok, c'est cadeau. Ensuite, faut lui dire d'aller à la salle. Je me demande c'est quoi le max au niveau des stats. Oh, ça doit être ouais, je sais pas, 16, 10, ouais, je sais pas. Je paye, je suis un fou. Là, je pourrais même gratter les points. Et vous savez quoi? On gratte les points. Et c'est parti. Là, le mec, il aura fait 4 combats dans la même journée. Hein. C'est un guerrier. Hein. On est bon, on est bon, on est bon. Et c'est win. Yes. Et oui. Donc pour le temps qui me reste, ouais. Là, j'avoue que pour le coup, le bonus d'agilité aurait vraiment fait plaisir. Donc je me demande si je vais pas débloquer ça plus tard. Mais j'avoue, on est sur une constante, en vrai, on est trop bien. Donc tant qu'on est comme ça, avec un rythme comme ça, je peux me permettre de pas... Enfin, de vraiment bourrer, juste débloquer les coups qui m'intéressent. Parce qu'après, une fois que les coups, je les ai, ben, je serai plus pété en combat, donc forcément, je galérerai beaucoup moins, donc je gagnerai beaucoup plus de points de compétence. Vu que je chierai pas mes combats ou beaucoup moins. Ça semble logique comme raisonnement, non? Ouais, 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 ouais. Faut pas que je passe la journée, faut pas que je fasse la connerie. Allez, juste donne-moi de l'endu. Juste l'endu. Passe à 9, s'il te plaît. Et il ne passera pas à 9. Je suis deg. J'aurais dû faire du tapis. Bon, c'est pas grave. Donc, la demi-finale. Manny. Le personnage de Maillard dans l'aventure. Incroyable. Alors, lui, il a 10 en force et 10 en endurance. Ok. Ah oui, d'accord. Ok, il a 248 de vie. Mais je l'enchaîne. J'ai rétabli l'équilibre. Oh là là. Je le dérouille. Gros sac à PV, mais littéralement il est pas ouf. Oh là là. Il a quoi point de trait? Ouais, ok. Il a... Ah, il a le point de trait pour augmenter les malus. Enfin, la durée des malus. Ah, et c'est avec RT que je peux accélérer les combats. D'accord, ok. J'avais jamais vu ça. Bon, j'aime bien moi. Et ben, easy. Donc du coup, prochain combat, c'est la finale. Eh ben, c'est trop easy. Pour l'instant. Ah, par contre, ces combats-là me donnent pas de points de compétence. Je trouve que c'est un peu l'arnaque. Hein. Tous les combats de ligue, je gagne masse points de compétence. Et là, d'un coup, plus rien. Putain.
Attendez. Je gère mes mails. Ok. Ouais. Alors je me chie un peu dessus. Donc on va faire ça. Et on va faire ça. Voilà, comme ça je suis full life. Et on fait le combat. Allez, je suis chaud. Masse agilité, ok. Ok, donc effectivement, il ne consomme absolument rien vu qu'il a un en force. Incroyable. Ouais, ouais, ok. Donc lui, il va me niquer sur l'enduit. Bon. J'ai de la marge encore. Faut que je le combote, c'est tout. Non, non, c'est moi qui dois le comboter. Hein. Allez, fin d'effort. Hein. J'ai le combat derrière. Hein. Ouh. Ok, mais full stamina, c'est cool. Et lui va consommer à mort, on est bon. Mais ouais, définitivement, je pense que sur ce jeu-là, il faut vraiment jouer une méta où niveau endurance, t'es équilibré. Parce qu'à partir du moment où tu joues force, ton endurance, elle est vraiment tout le temps dans le mal. Et donc, du coup, ça doit vraiment être le gameplay le plus difficile à tenir, ouais, le gameplay force. L'explose lui. Incroyable. Donc 3 jours et 3 jours. Bon, évidemment, là le jour va passer, donc ce sera 2 jours. Là, je suis bientôt en zone rouge. Hein. Ah, faut pas que je craque la finale. Eh bien, vous savez quoi? On va même prendre un peu d'énergie. Putain, mais les Arman, il faut que je le défonce, les Arman. 2 fois, il m'a défoncé. Je gagne tous mes combats, sauf ceux contre les Arman. Hop. Et hop. Voilà. Bon, et Roy. Est-ce que tu le fais le combat, Roy? Non, il le fait pas. Bon. Je peux le gratter par contre demain. Donc on va s'entraîner comme des Tekos. J'économise un petit peu sur les déplacements. On remet le frigo quasi full. Je peux me permettre de payer le combat d'entraînement. Ah, c'est con, j'aurais acheté une tranche de viande en moins. J'aurais pu faire le combat d'entraînement dans 24 heures, juste avant les deux combats. Ah merde, dommage. En plus, j'aurais pu me prendre une compétence avant les combats. Merdouille. Mais ça se trouve, la finale va me régaler, hein, en point de compétence. Alors, il faut se dire aussi qu'après le combat de la finale du cul, là, je vais me bouffer du scénario. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ah, dommage. Ah non, remarque, attends. Eh ben non, je peux être pile poil.
pour une compétence pour le dernier, au dernier moment. Je vais payer juste 15 balles pour l'entraînement au paro. Par contre, qu'est-ce que je claque comme compétence? C'est la question. Ok. Bon allez, l'endu c'est pas bien grave, je peux au dernier moment bourrer le tapis. L'important c'est l'agilité. Ok. Oh, on est trop bien, je kiffe. Oh oui, en plus le combat c'est de bain, bah c'est impeccable. Par contre, ouais, il se lasse vite parce que j'ai dû m'entraîner il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, 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 on est bien, on est bien, on est bien. On est bien. Et ben, je vais même faire ça. Tu l'acceptes? Il l'accepte. Comme ça, on monte à 9 en endu. Voilà, c'est tout ce qu'il me fallait. Un peu de ballon. La poire. Poire de vitesse. On optimise, on optimise. Voilà, et là il a faim. Mais c'est pas grave, on sort. Normalement, l'entraînement au PAO, il l'accepte. Parce que 24 heures s'est écoulé, c'est nickel. Oh, et si je le dérouille avec l'entraînement au PAO, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh. Ah mais je le dérouille. Oui, je l'ai battu. Je l'ai battu à l'entraînement au PAO. Donc là, normalement il est OP. Yes. Et je peux me prendre la compétence, nickel. Oh, l'optimisation optimale. Oh là 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 là. Eh bien, j'ai même envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter? Parce que c'est quand même tentant. Ah, je pourrais bourrer mon agilité. Mais j'ai vraiment envie de débloquer ce coup de pied de l'enfer, là. Ah, je ne sais pas. Il y a trop de choses intéressantes. Trop de choses intéressantes, c'est terrible. Franchement, vu ce qui m'attend... On va essayer de focus le coup de pied. Donc là, j'ai... ouais, ok. Dans deux achats, je peux avoir le coup de pied. Et après, j'essaierai de me focus sur les choses un peu plus secondaires. Ouais, ça, ouais. Après le coup de pied, il faudrait que je débloque ça. Et ensuite, ça. Ouais. Bon, y a encore de la marge. Bon, va à la salle, mec.
Ok, alors, bon. Au-delà du fait que j'ai failli avaler ma clope, je vois bien. Mais j'ai pas de sous. Mais quel con du cul, j'ai pas de sous. Et j'ai pas de sous. Et j'ai pas de sous. Bon, alors, y a une autre solution. Faire le combat clandestin avant la finale. C'est une solution. C'est une solution, sors de là. C'est une solution, certes un peu vaseuse, mais c'est une solution quand même. Parce que du coup j'aurais des sous. Non mais il me faut mes 9 dendus. Quel con. Quel con, j'avais pas calculé ça comme ça. Bon après j'ai mes stats, dans tous les cas je pourrais pas faire mieux. Hein. Je pourrais pas faire mieux, donc finalement Roy est à la salle, bah, il va attendre, il va s'emmerder et puis à un moment donné il va rage quitte. Hein. Alors je ne mange pas plus, parce que si je me prends une dérouillée au combat clandestin, il va falloir que je récupère de la santé, donc je vais bouffer. Ouais. Ouais. Je n'ai pas le choix. Oui, j'aurais pu m'entraîner ultimement à la maison, mais j'aurais rien pu faire de plus que... Bon, ben normalement, c'est quand même bien parti. Putain, mais par contre, il a ma santé, ce salaud. Allez, mets-le à terre. Yes, merci. C'est bon, ça se passe bien. Je me demande comment je fais pour aller au camp des manouches sans la mallette. Parce qu'il faut la plante. Il faut la plante de ses mains. Gratos. Et c'est parti. Putain mais ouais. Oh là, il y a moyen que je rentre en zone rouge pour le coup. Et ça se trouve, les combats ils vont me rapporter tellement. Nickel, nickel. Allez, bourre-le! Bon, normalement là, il y a. Allez, paf! Impeccable. Impeccable. Et ben en vrai, je peux aller à la salle direct parce que normalement le temps va passer, je vais récupérer un peu de vie. C'est bon. C'est bon. Oh là là. Et je peux même gratter un entraînement en plus. Ben oui, totalement. Totalement. Bon mais agilité à donf quoi. Je racle les fonds de tiroir. Si je, voilà, si je suis pas full life pour mon combat, c'est un scandale. Surveiller le temps. Un petit peu de corde à sauter pour finir, on est bon.
Oh là là, bientôt niveau 16 quoi. Et j'ai même pas le bonus des 15% supplémentaires. C'est ça qui est insane. Allez. Les 3 points. Yes, les 3 points. Et mais ça se trouve, ils vont me régaler quand je vais... Si je réussis à faire la finale, ça se trouve, ils vont me régaler. Et après, je casse la gueule à Lézardman pour finir l'épisode. Tellement gratos maintenant. Il est loin le temps où j'arrivais pas à le battre. C'est cadeau. C'est cadeau. Eh bien c'est parti. Bill Wilson qui est masse en force. Donc niveau stamina normalement je le dérouille. Il a beaucoup de PV cela dit. Il a beaucoup de PV cela dit. Je peux pas aller sur ses compétences pour voir si je peux. Alors du coup ça fait quoi? Réduit vos chances de bloquer ou d'esquiver, mais tous vos coups offensifs consomment 30% d'énergie en moins. Si activé, vos directs seront infligés en série plus souvent et leur coût en énergie sera réduit. Ah oui d'accord, donc en fait il... D'accord. D'accord, ok, donc il reste relativement pété, donc faut faire attention. Attends, il a 12, 7 et 9. Normalement, statistiquement, je le bats. Oh! 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 Ah oui, il tape fort quand même. Ouais, non, mais dans tous les cas, il consomme comme un buff. Hein. Même s'il a des paires qui lui permettent de consommer moins, il consomme comme un buff. Ah oh, oui, non, mais il est gratuit. Il est totalement gratuit. Il est totalement gratuit. Oh là là, mais l'enchaînement est incroyable. Allez, finis-le. Finis-le. Totalement gratuit. Mais ultra simple par rapport aux anciens combats. Et j'ai rien gagné du tout. Ah si, yes, 20 points de compétence. Vous êtes le vainqueur de la ligue, récompense. 20 balles et 200 dolls. L'heure est venue de saluer notre nouveau champion. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça, je dois encore retrouver mon médaillon. J'aimerais vraiment récupérer ce médaillon. Carte de combattant professionnel, vous avez obtenu votre carte, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec vos points. Et oui, donc faut que j'aille voir Don forcément pour récupérer le médaillon. Tu devrais aller voir Don, il aura peut-être quelque chose pour toi. Tellement gratuit. Bon. Alors j'ai envie de full m'entraîner pour casser la gueule à Lézardman. Pour l'instant je n'ai plus de combat de ligue. Je suppose qu'il faut que j'aille voir Don pour débloquer scénario, tout ça, la corruption, Mick qui m'entraîne et qui va se faire tuer sûrement aussi. Aïe aïe aïe. Je peux éventuellement dormir un peu. Et à la rigueur, gratter juste les... De quoi... Ouais, arriver à 9 d'agilité. On est full en tout, c'est nickel. Gratter les 9 en agilité et aller essayer de casser le cul de Lézardman. Et on ira voir Don pour le prochain épisode. Après la pause du stream. Voilà. Lézardman. Tiens-toi prêt. Il va à pied, on économise.
Ah non, mais c'est plus les Arman. C'est Mufasa. Léo, hein, évidemment. Et niveau stats, il est vénère, ce con. Donc lui n'a pas débloqué le lock à 9. Ah oui, il va être un problème. Lui, ça va être un sérieux problème. Bon, pour l'instant, je mène. Ouais, je mène pour l'instant, tout se passe bien. C'est sûrement mes 15 d'agilité qui font la différence. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah oui, il m'a mis un coup pour me augmenter ma. D'accord. Pour augmenter ma consommation. Donc ouais, ça se passe mal. Mais je l'enchaîne. Mais je l'enchaîne. Putain, le con. Non, en vrai, c'est gérable. Si je le tape, c'est gérable. C'est serré. Ah, il augmente ma consommation, le bâtard. Mais fais quelque chose de ta vie. Allez, enchaîne-le. Enchaîne-le, c'est bien. Oui! Et 10 points de compétence, mais c'est nickel! Et j'ai tellement de thunes qu'on peut même faire le combat d'entraînement et qu'on peut même faire le combat avec Roy, hein, je suppose. Juste pour gratter un petit peu. Ah merde, il veut pas! Chier! Chier! Bon, Roy, il va bien vouloir quand même. Yes! Comme ça, super. On termine cet épisode, on a 17 points de compétence, donc finalement le coup de pied vénère, je vais le débloquer dans pas si longtemps que ça. Mais il faudra quand même garder la constance parce que je n'ai toujours pas débloqué le lock de l'agilité. Chose qui était à la base prévue, hein, mais bon. Augmenter justement l'efficacité de mes entraînements niveau agilité, ça peut être très bonne idée. Comme ça, on peut viser les sommets. J'ai failli battre. Eh bien, nickel. Super. Voilà YouTube. Grosse VOD. Mais, déjà, le micro ne bug pas, a priori. Et en plus, en vrai, on est bien. Donc, prochain épisode, on va voir Don. Et... Eh bien, on va continuer notre ascension fulgurante. Continuer les combats clandestins, je suppose. On est en zone rouge. Ça y est. On est en zone rouge. Donc, méfiat. On va peut-être se faire casser le fion. Donc, continuer les combats de la mallette. En vrai, les combats de la mallette sont un peu durs. Mais ça me donne des points de compétence aussi. Donc, c'est OP quand même. C'est risqué mais c'est OP. Et pas tant risqué que ça. Et je niveau dans le frigo, je suis en dessous. Putain, le frigo est quasi full. Donc la thune, je vais essayer de la garder au maximum. Faut aller au bar aussi, aller voir Brad Pitt. On l'a toujours pas fait ça. Mais je vais essayer de garder le maximum de thunes. Et si je me fais agresser, ben je leur casse la gueule. Parce que de toute façon... Oui, non, de toute façon, faut que je gagne 5 combats de rue. C'est un objectif que Brad Pitt m'a donné. Yes! Eh bien, voilà, YouTube. Nous avons encore plein de choses à faire dans ce jeu, c'est incroyable. Des bisous. Et portez-vous bien.